Allez, salut tout le monde, c'est Tazric Perassi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 681 de notre aventure Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 681 de ce let's play. Les amis, on va pouvoir scanner nos petits amis. Bon, je vous avais dit que la semaine dernière, on allait reprendre un peu plus sérieusement le let's play. Voilà, je l'avais laissé de côté par lassitude d'une partie et aussi parce qu'il y avait d'autres let's play que je voulais prioriser. Là voilà, là maintenant on peut se remettre un peu dedans et on peut continuer tout simplement quand même. Et du coup ben on va tout simplement ben, continuer notre aventure dans ce let's play avec du coup ben, la suite de nos missions de combat, voilà. De nos missions de combat. Donc avant de faire ça, on va évidemment scanner nos petits amiibo qu'on commence à avoir l'habitude. Ah oui, la lune, mais je crois qu'elle était au mauvais endroit encore, elle était pas au bon endroit. Ah oui, elle avait la bataille de la plaine d'Hyrule là. Contre la plaine d'Hyrule. Vous avez reçu notre compas amiibo, 5 Dora d'Armo, 5 fruits d'oiseau, 5 fleurs silencio. Oh fuck you. Oh fuck you, Chocho. Oh my god. Vous avez reçu notre compas amiibo, 5 fruits d'oiseau, 5 Dora d'Armo, 5 fleurs silencio. Vous avez reçu notre compas amiibo, 5 Dora d'Armo, 5 sauterelles endurio, 5 fruits d'oiseau. Vous avez reçu une récompense amiibo, 5 fleurs silencio, 5 fruits d'oiseau, 5 fruits silencio. Vous avez reçu une récompense amiibo, 10 citrouilles armo. Bien, allez, on va pouvoir continuer. Let's go. Vous avez vendu des matériaux que vous ne pouviez pas transporter. Alors, souvenez-vous du coup, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement, c'était attaqué à... Alors, je sais plus c'était lequel, escort du... C'était ça, je crois qu'on avait fait l'épreuve moyenne de glace à mode difficile avec Teba. Et du coup, ben, les amis, nous allons nous attaquer à la requête de l'aubergiste, voilà. Donc, on va le faire avec Impa. On va le faire avec Impa. C'est-à-dire qu'on va être à 30... À 32. Non, on va lock. Oh, fuck, presque. Donc là, je suis assez à 32, ouais. Bon, bon, on va attendre, hein. On va lock. Et du coup, bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. Tac. Alors, on va s'attaquer du coup normalement à la requête de l'aubergiste. Des monstres ont établi des avant-postes à l'ouest de la ville. Et l'aubergiste est très ennuyé car un client de Marc doit séjourner bientôt dans son établissement. Allez, aidez-le vite en prenant les avant-postes. En ennemis principaux, nous aurons du coup un Linel, des moblines de feu, des moblines bleues, des lézardfaces électriques, des lézardfaces bleues. Et un matériau exclusif à ce champ de bataille, nous aurons du coup des champignons vigueur, des grenouilles vigueur, des carottes vigueur, des champignons endurio et des scarabées endurio. Donc notre cher Impa. Et du coup, bah, let's go. Let's go! Je suis arrivé parce que j'ai bientôt fini le gros planning, je l'aurais fait en même pas une semaine pour le moment. Je suis à la moitié en fait, si vous voulez. En 3 jours, 2-3 jours. Sachant qu'il y a plein de vidéos courtes, donc les rendus vidéo, ça se passe très vite en fait. J'ai que du monde, après j'ai que les miniatures derrière à faire et tout. Donc ça se passe très bien, prenez le contrôle de tous les avant-postes. Tac. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi pour ma part, je vais très très bien. Voilà, on continue évidemment ce let's play encore une fois. Voilà, on continue ce let's play encore une fois et perso. Tac. Allez, bon bas distance.
Ok. Non, on l'aura déglingué. Tac. Là, on va quand même affronter le sorcier électrique. Parfait. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais faire. Donc, c'est parfait. Allez, on se rapproche de la fin. Les mobines de... Enfin, le mobile bleu, le mobile de feu qui est là. Waouh. Ok. C'est bon. Vous êtes tous les deux morts. Putain, on est en train de gérer la chose. Mais d'une violence. On est en train de gérer. Nope. Oh le bâtard. Vite. Oh le bâtard. C'est bon. Oh mais ça me gonfle, c'est les alphas ça. Attention. Allez les bombes à distance. Allez, je pense qu'on va pouvoir le... Voilà, on l'a buté. On l'a buté et... Lolinel, regardez. Oh là, c'était parfait ce qu'on va faire. Boum. Eh bah écoutez, on va pas en venir. Bon là ça spawn à fond parce que bah, c'est le truc. Bah écoutez, au moins on en aura terminé. On aura à gérer. Requête de l'aubergiste. Quelques rubis. Ok. Ouais. Et du coup, avec 3 brisants mécaniques de Pharas, 10 champis vigueur, 9 scarabées endurio, 11 carottes vigueur, 15 grenouilles vigueur, 1 lézard tempo, 1 fleur lame, 7 champis endurio, 3 cornes de bocobline, 5 viscères de bocobline, 1 croc de bocobline, 5 cornes de lézalphos, une gelée chuchot rouge. Une corne de mobline, une viscère de mobline, 4 crocs de mobline, 2 queues de lézalphos, 2 queues jaunes de lézalphos, une griffe de lézalphos, 2 sabots de linel, 2 cornes de linel, 4 fagots de bois, 105 certificats de bocobline, 2 certificats de sorcier, 2 rapports d'études de combat, 88 certificats de lézalphos, 3 certificats de chouchou, 2 certificats de mobline, 1 rapport de matériaux, 1 rapport de vie des monstres, et enfin 1 certificat de linel. Ah. Mais écoutez, au moins on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera pour cette semaine, les amis, dans lequel il y aura un autre épisode, voilà, un petit peu plus tard dans la semaine. Donc voilà, on se retrouvera pour l'épisode un peu plus tard. Ah, normalement, il sera disponible à 8h du matin, le dimanche 14 avril. Sauf s'il y a une lune de sang. Et du coup, ben là, malheureusement, on devra le faire dans l'épisode de la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le temps. C'est quoi ici? Je m'en souviens plus. Ok, ça va. Bon, bah écoutez, merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 681 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Et du coup, bah dans l'épisode prochain, on s'attaquera tout simplement à la vertueuse de la lance Zora. Voilà, donc dans lequel on est obligé de le faire avec Mipha. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace!